Le jardin de l'État en pleine effervescence. Depuis plusieurs jours, les agents du département nettoient, plantent et construisent les structures qui feront les décors du bonheur des enfants. Ce matin, les agents du patrimoine travaillent à la réalisation de la structure métallique des sapins. On a trois à monter. Ça, c'est le plus grand. Ça fait 8 mètres de haut. Il y en a deux là-bas aussi. Ça fera à peu près 7 mètres. L'autre, ça fait 3 à 4 mètres. Bon, je pense que c'est un peu la concrétisation de ce qu'on a fait pendant la période de l'année. Et puis voilà, c'est un moment de retrouvailles, de passer un bon moment avec tous les agents. Et puis même, après, c'est pas que les agents, il y a tout le public qui sont invités. Hein. Le public est invité aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Du 16 au 23 décembre, la manifestation Au bonheur des enfants accueillera gratuitement le public dans le jardin de l'État. 8 jours de fête avec cette année le thème « Maison et jardin de compte ». Une manifestation qui demande la participation de nombreux agents de la collectivité qui, dès aujourd'hui, travaillent déjà à la préparation de cet événement.